Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 15 mars, la Sainte Église célèbre Saint Clément-Marie of Boué, l'apôtre de Vienne de 1751 à 1820. Écoutons la vie de Saint Clément. Une vie d'amour du prochain. Clément Marie of Boué est né le 26 décembre 1751 à Taxwills, en Moravie, et dut le jour à de très pieux et simples parents. Son père, un boucher, était tchèque, sa mère était allemande. Après la mort prématurée de son père, la mère conduisit Clément Marie devant un crucifix et lui dit « Le Sauveur est maintenant ton Père. Prends soin de marcher sur le chemin qui lui agrée. » Apprenti boulanger, serviteur de couvent et étudiant, il s'efforçait sans cesse de se rapprocher de son grand but, être prêtre. Au cours d'un pèlerinage à Rome, il fit la connaissance des rédemptoristes et entra dans cet ordre. En 1785, le saint fut ordonné prêtre et après 2 ans d'études supplémentaires, comme il était impossible sous le régime de Joséphine de fonder un couvent à Vienne, il alla à Varsovie où il s'occupa très activement de l'Église nationale allemande de Saint-Benoît de 1787 à 1808, surtout comme confesseur allemand. Dans cette Église, on prêchait une sorte de mission perpétuelle. Tous les jours, on y prêchait 2 fois en allemand et 2 fois en polonais. On considérait l'incertitude religieuse, si largement répandue, comme l'obstacle le plus redoutable au renouvellement intérieur. C'est pourquoi il était infatigable quand il s'agissait de prêcher la parole de Dieu. Des collaborateurs s'empressaient de venir à lui et avec eux, il put fonder de nouveaux établissements de son ordre et multiplier son activité missionnaire. Of Boué, le propagateur de l'ordre du très saint rédempteur de ce côté des Alpes, est vénéré par l'ordre comme son second fondateur. De nombreuses guerres avaient amené à Varsovie la pauvreté et la misère de la population. Le saint déploya une grande activité charitable, fonda un orphelinat, une école populaire pour 350 enfants pauvres, un lycée. Sur l'ordre du gouvernement de Paris, il fut conduit avec ses compagnons à la forteresse de Cuistrin en 1808 et transféré à Vienne après 4 semaines de détention. Là, ce n'était pas seulement des gens du peuple qui assiégeaient son confessionnal, car
il le vénérait comme le père des pauvres, mais des fonctionnaires influents et des hommes d'État du Congrès de Vienne, des savants connus et des artistes. C'est avant tout l'influence de Hofbauer qui fit échouer au Congrès le projet d'une église nationale allemande détachée de Rome proposé par Wenzelsberg, qui fit rapporter la législation de Joséphine. Le saint mourut à Vienne le 15 mars 1820. À tous ceux qui portent le prénom de Saint Clément Marie, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À tous et à chacun, fructueux temps de carême. À demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.